faut arrêter avec l'idée que l'enjeu de classe de la retraite, c'est la bataille entre répartition et capitalisation. La capitalisation, elle échoue toujours pour deux raisons. D'une part, pour que le rendement des cotisations placées soit égal au flux des cotisations de l'année, il faut un long temps de maturité, qui à l'époque est de 40 ans. Les travailleurs n'ont pas le temps d'attendre 40 ans. Et deuxièmement, la pension va être complètement déterminée par le cours des titres l'année où on la prend. Alors, bonne année si vous prenez votre pension en 2007, d'accord? Donc, ces deux aléas-là font qu'aucun pays du monde, mais aucun, hein, en Suisse, on est à 45% capitalisation. Le mot « social security », « sécurité sociale » a été inventé par Roosevelt dans le Social Security Act, qui crée un régime de retraite en répartition, bien sûr. Et donc, la retraite américaine, elle est en répartition. Il y a un complément de fonds de pension, mais l'essentiel est en répartition. La répartition dans l'Union européenne, c'est 90% des pensions. Alors, en France, c'est 98%, mais enfin, c'est... y compris, et dans l'Union européenne, d'avant le Brexit. Hein, ça inclut donc le dispositif qui laisse plus de place à la capitalisation que sur le continent, le dispositif anglais. C'est Vichy qui a supprimé la capitalisation, parce qu'il s'est rendu compte qu'en 1941, le régime en capitalisation de 1930, il donnait toujours rien. Il n'aurait donné vraiment l'équivalent des cotisations qu'en 1970. Donc il le supprime, et le patronat ne fait aucune revendication pour qu'il y ait retour à la capitalisation. Il crée au contraire un régime en répartition capitaliste. Moi je ne défends pas la répartition, je défends la répartition communiste contre la répartition capitaliste. La répartition communiste, c'est on socialise le salaire pour sortir le salaire de la dépendance à une activité subordonnée, pour ouvrir l'espace à un salaire du travail libre. Et c'est précisément ce que fait Croizat en 1946. Et la riposte patronale, c'est de dire, mais non, le salaire, ça doit être forcément lié à l'emploi, un retraité n'a pas droit au salaire, il a droit au différé de ses cotisations, qui est la transposition en répartition de la logique de capitalisation.